La rigueur, la ponctualité et le sens du travail bien fait sont des vertus bien partagées ici à la DCAI. Cette première Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2017 n'a pas échappé à cette règle. Évaluer ensemble les actions entreprises depuis ces trois derniers mois et prendre les résolutions. Je l'ai découvert davantage à travers cette responsabilité de directeur de projet de la première Assemblée Générale Ordinaire 2017 de la Jeune Chambre Internationale de la JCI. Dans sa 41 collines, mon organisation locale qui me l'a confié. C'est en cela que je voudrais remercier les membres du comité directeur local, en l'occurrence le président Florent Mbedji, pour cette occasion d'apprentissage qu'il m'a donnée et pour leur accompagnement et coaching permanent pour la réussite de cette activité. 28 ans de vie pour la DCAI Bénin. Les délégations venues des 40 organisations locales vont devoir partager de belles expériences. Mon équipe a fait preuve de beaucoup d'abnégation et de disponibilité pour nous offrir ce programme alléchant. Nous avons du potentiel à la JCAI. Ce potentiel ne demande qu'à être utilisé, développé et mis au service de la communauté d'Adjan. Oser l'excellence, c'est sous ce thème que le président 2017 place son mandat. L'excellence est possible, les amis, vous l'avez démontré. Vous l'avez démontré à travers ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les 5 P. Les 5 P en partant d'abord par la paix. La paix avec nous-mêmes, la paix avec notre entourage, la paix avec nos partenaires, la paix avec tout simplement tout ce qui nous entoure et qui nous empêche, qui nous permet véritablement d'atteindre nos objectifs. Chers amis, vous avez également, au long de Aisons l'excellence, arpenté les couloirs. Les couloirs comme difficiles du professionnalisme. Chers amis, le professionnalisme n'est pas absent dans cette organisation. Mais d'année en année, nous avons pris la résolution, vous et nous, je dis vous et moi, nous tous, alors, de porter encore plus loin le professionnalisme. La DCAI, une organisation de jeunes au service du développement.